9-2. Strasbourg, first contact, associated information, Charlie. Donc Charlie, apparemment. Donc c'est Strasbourg, information Charlie, enregistré à 8h10 UTC. Petite approche prévue, ILS, distance service 23. Niveau de transition 08. 23. C'était 1.1, Brumat, activité paramoteur. Activité parachutage, zone 222 NOF. Vent 150 degrés 5 nœuds, temps présent, cavoqué. Température plus 20, point de rosée plus 12. QNH unité 0, unité 0, QFE 992. Informé Strasbourg, premier contact, nous avons su information Charlie. Ok. Good morning. Bon, d'accord. Strasbourg de Fox Hotel Alpha, Alpha Romeo, bonjour. Fox Hotel Alpha, Alpha Romeo, bonjour. Fox Hotel Alpha Romeo, ADR 400 provenance de Colmar à destination de Saverne. Deux personnes à bord, altitude de 1400 pieds, avec l'information Charlie. Fox Alpha Romeo, transpondeur 6101, le transit approuvé au QNH 1010. 6101, transpondeur, transit approuvé, Fox Alpha Romeo. Et là, puisqu'elle t'a donné le QNH, je répète le QNH. QNH 1010, Alpha Romeo. Voilà. Roméo, le transpondeur 7000, vous pouvez quitter la fréquence, au revoir. Transpondeur VFR, je quitte la fréquence, au revoir. Ok, Fox, bon. Ok, donc le prochain cap c'est 325. Ok, donc avant de faire un prochain cap, on vérifie si on peut, le plus possible, aile horizontale. Est-ce qu'on a besoin de recaler? Oui. On est au 300 ici. 300, ok. Et, ah oui, d'accord. Et ensuite, donc ensuite, 325. Voilà. Ensuite, on regarde si on voit déjà... On prépare la fréquence déjà, hein, ah un oui, petit peu, 123.5. Et puis, on a combien de temps normalement? 2 minutes. Hein? 2 minutes, je crois. Eh bien, il faut s'annoncer, surtout qu'on a le vent dans le cul, hein. Sol... Ah, pardon. 123.5. 123.05, 123, 123... 5. Ok. Ensuite, à quelle altitude on veut intégrer? On va arriver à 1900 pieds, nous. Oh ben, donc on peut descendre un peu, mais tu peux nous déjà t'annoncer. Oui, 300 mètres. Saverne de Fox Hotel Alpha Alpha Romeo, bonjour. Fox Hotel Alpha Alpha Romeo, ADR 400 provenance de Colmar à destination de vos installations, altitude de 2300 pieds. Je vais me reporter vertical des installations à 1900 pieds, estimé dans 2 minutes. Ok, alors maintenant, 325. Il faut qu'on regarde, on se souvient de la carte avec la forêt. Là, 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 je le vois, juste là.
vertical qui procède à une minute d'alignement au-dessus, donc c'est quel sens de piste hein. Donc c'est la piste c'est la piste 30, c'est la piste 15. C'est la piste 15, d'accord. Et je vais me reporter début de l'arrière, piste 15. T'arrives pas avec ça. Hein? T'arrives pas avec ça. Si, j'arrive. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça va casser. Ouais, ben, donc je le mets comme ça. Donc tu vois. D'accord, donc là moi je vais me reporter. Donc le circuit il est de ce côté-ci et on part maintenant en éloignement. D'accord. Et il faut se mettre, mon grand, il faut se mettre en parallèle là et tu vas partir comme si tu partais dans le sens où tu vas atterrir. C'est comme ça l'intégration. Et quand tu es au seuil, tu pars une minute d'éloignement dans ce sens et tu vas t'écarter, chercher le tour de piste. D'accord, et moi, on va monter. D'accord. Donc là il faut que je me. Donc j'annonce 1900 pieds. Voilà. C'est la piste, on a dit, c'est la piste 15. Hein. Saverne de Fox Hotel Alpha Alpha Romeo, verticale des installations à 1900 pieds. Je vais me reporter début de vent arrière, piste 19, 15, pas main gauche. Ok. François Fagol pour l'Alpha Romeo. Alpha gauche pour l'Alpha Romeo. Attention, ce Saverne, vous voulez vous poser? Non, on fait un toucher, juste un touch, c'est tout. Faites attention parce que la piste n'est pas vraiment fauchée, en plus c'est gras, donc faites vraiment attention de pas toucher. Remise de gaz alors. Eh bien écoutez, on avisera si ça sera une remise de gaz dans ce cas-là. Oui, mais ce que je voulais dire par là, c'est que ça colle et que les roues elles touchent, vous êtes vraiment freiné, hein, faites attention. Bien reçu, il faut que ça soit bien. Alors, mon tour de piste là, il est comme ça. Non mais c'est l'altitude de trop de piste, ça va être... Eh bien c'est 500 pieds, moins c'est 1400 pieds. 1400 pieds. Donc là, alors, attention, d'abord perpendiculaire. Ah, oui. C'est là le cadre. Je la perds un petit peu la piste parce que elle est pas, okay. Elle est pas revêtue. Et... Voilà, là tu seras bien, tu attends les 1400 pieds, tu prépares ton avion. Ok, donc un cran de volée, phare d'atterrissage, compensation à 150 et on descend plus. On ne descend plus maintenant. Allez, on met ce qu'il faut. Avant de virer par la gauche. Je ne vois plus la piste, oui, ça y est, je la vois. Le long de la forêt. Le long de la forêt. Ok. Petite annonce en base, on va éviter le village là, on va tangenter, tu vois là. Ouais. Bon, on vire perpendiculaire. Saverne de Fox Hotel Alpha Romeo, base piste 15, ma gauche. Alors, regarde, là, je réduis. Ça va, le vent est en montée initiale pour rejoindre la vente arrière 15. Eric, regarde. On a un vent qui est là, donc il va falloir qu'on ait une petite correction de dérive à cause du village, tu vois. LGV, l'autoroute, ok. Pour si tu situes, ok. Voilà, là tu peux descendre, il faut descendre. Hein. Faut descendre, Eric. Sinon tu fais pas la piste. Hein. Et encore. Voilà. Ne cherche pas non plus à être trop court. On reste bien de manière tangentielle ici. Enfin, matériaux de construction là. Attends, je vais passer à côté de la... Ah, on poursuit pour le moment. 130 km/h, ouais, 79, c'est pas mal. On est à rien trop bas, hein, mais bon, ça permet de voir un peu où on est. Là, il faut mettre du moteur. Hein. Ah. Bon, si on voulait se poser, on aurait pu se poser là. D'accord, donc on met les gaz. Il faut que ça fasse un mot. Approche interrompue. Allez. Donc,
130 km/h. Je rentre un cran de volet.